Bah écoutez, on a fait un match nul. On avait une belle équipe en face de nous, l'Ouganda. Elles ont tenu le match, elles ont bien joué. On a pris un but assez rapidement. On a su revenir, c'était le plus important. Voilà, maintenant on va gommer les erreurs qu'on a pu faire pendant le match, que ce soit offensivement comme défensivement, parce que je pense qu'on aurait pu revenir facilement dans le match. On ne l'a pas fait. Et voilà, on attend le deuxième match à Rabat, Inch'Allah. Bah on s'y prépare pour Inch'Allah. C'est le but d'aller à Paris, voilà, avec le nouveau staff. Ils travaillent beaucoup, le coach et son staff, et on essaye d'avoir un jeu qui lui ressemble aussi au coach. Donc petit à petit, Inch'Allah, on va rentrer dans ce qu'il veut. Et voilà. Pardon ? Bien sûr, oui. Tout ce qui met en place, c'est ce qu'on aime aussi sur le terrain, le jeu de possession et toujours aller gagner. Donc il nous inculque ça. Je pense que c'est ce qu'il a dû inculquer en étant champion du monde. Donc ça se passe vraiment très bien. Est-ce que vous créez une... Bah, c'est surtout lui qui l'a créé quand il est arrivé. Nous, on est les joueuses, on représente le Maroc. Lui, c'est le coach aussi, il représente le Maroc. Il nous a tout de suite mis à l'aise. On l'a aussi mis à l'aise parce qu'on travaille tous ensemble. Una primera parte en la que hemos entrado bien al partido, pero poco a poco con algunos errores, con su gol, el equipo un poco disminuido, con un poco de falta de confianza, no íbamos a los duelos, ellas no superaban en los duelos en las segundas jugadas. Bueno, con todo y con eso tenemos el penalti para empatar, no lo marcamos. Y la segunda parte, una buena reacción del equipo, hemos atacado, hemos ido más profundas, hemos lanzado a las laterales, en el centro del campo hemos conseguido mayores superioridades, nos anulan un gol legal, que hubiera sido pues la victoria, también ocasiones muy claras, pero bueno, al final son partidos amistosos, hemos visto a jugadoras, el equipo se va formando, se va preparando, y bueno, pues ahora nos queda otro partido antes de acabar la fecha FIFA. Bueno, yo estoy muy contento aquí, tengo que agradecer a la federación porque nos da todas las condiciones, como también me han recibido las jugadoras, el público, estoy muy feliz, con muchas ganas de trabajar y para hacer crecer el equipo. Todo gracias.